là, il m'a dit tout ça, c'est tous les Arabes, tout ça. Ils m'appellent le diable. Je ne sais pas pourquoi. Qui me cherchent, par exemple, à l'Ukraine, je demande n'importe quel Marocain, ou Tunisien, n'importe qui me connaissent. Tu te demandes Mohamed, il ne va pas savoir c'est qui. Mais demande le diable, tout le monde va te dire c'est qui. Voilà. Il ne m'appelle pas le diable, il m'appelle le prince des diables. En arabe, c'est Amir Shayatin. Ça donne beaucoup de biens pour beaucoup de personnes. L'aide pour se nourrir et pour la vie quotidienne, c'est-à-dire se coucher, se boire un café et tout ça, franchement. Il y a de l'aide partout. Ici, il n'a rien, ben, il va fréquenter qui? Les gens comme lui, c'est-à-dire qui sont dans la merde. Après, ben, il va te dire où manger, ou boire un café, ou tout ça, quoi, t'as vu. Moi, avant, je ne connaissais pas ça. J'ai pas besoin de ça, moi, j'ai la famille. C'est-à-dire, ben, là, si je fréquente ici, tout ça, je te dis, comme tout à l'heure, ben, c'est bien, c'est un autre monde. Ouais. Voilà, c'est pour ça, quoi. Franchement, la nuit je ne dors pas là-bas, mais je fréquente l'arche. Tant qu'il y a la musique, tout ça, Saint-Ouvert, tout ça, j'adore. Voilà, il y a de connaissances, j'aime bien faire connaissance avec les gens. Avant, je ne connaissais pas. Hein. Avant, c'est-à-dire, comme je te dis tout à l'heure, quand je galère tout seul. Et je cherche un travail, je sors vite fait quoi, de la mort. Mais là, franchement, quand on a tout, c'est-à-dire on a, ils nous donnent des trucs pour manger, on mange bien, ils nous donnent tout, quoi, t'as vu. Alors pourquoi chercher un travail? Moi, ce qui m'énerve quand je travaille, c'est la routine. Je travaille, je rentre à l'hôtel ou bien chez moi, quand je vais chez moi, c'est la routine, t'as vu. C'est-à-dire quand je sors, mon jour de repos, quelque chose comme ça, je suis tout seul, malgré j'ai le moyen, tout ça. Et là, ça va. Là, le problème, c'est le travail, c'est-à-dire on a beaucoup de... T'as vu, tout le monde là-bas, tout ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, ça passe vite le jour. On discute un peu avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Ça passe vite fait, et on change les idées, et c'est bon. Mais le problème, là, ça empêche de bouger. C'est ça le problème de tout le monde. Pour chercher un travail, tout ça, c'est ça le problème. Tous les jours là-bas, tous les jours, ça devient un habitude. C'est-à-dire, on va connaître beaucoup de gens là-bas, et on a des connaissances, tout ça, ça empêche un petit peu de bouger, quoi. Normalement, moi, dans mon domaine à moi, c'est-à-dire la restauration, tout ça, si je cherche, je trouve, hein, vite fait. Mais là, je cherche pas. Voilà. Je dors, je fume, je bois, et ça va. Je galère un petit peu, mais je l'habitude. Galérer un petit peu, c'est-à-dire, c'est mon choix. C'est mon choix quand je ne cherche pas un travail, c'est mon choix quand je galère un petit peu. Mais... Je suis heureux, oui, je suis heureux. Vivre normalement, c'est-à-dire vivre normalement, comme tout le monde. Travailler, avoir un toit, avoir une vie normale, quoi. Une vie normale. Voilà, c'est ça, quoi. Maintenant, on n'a pas une vie normale. Par exemple, moi, j'ai pas une vie normale, et tout le monde là-bas, ils n'ont pas une vie normale. Et c'est pas à cause de, comment on dit, des matériels ou l'argent ou quelque chose comme ça, non. Mais c'est ça, quoi, c'est là. problème, c'est... Je sais pas, il y a des gens qui boivent beaucoup. Il faut qu'il réagisse lui-même. S'il est intelligent, ben, il faut qu'il comprenne la vie. Quoi. Faut arrêter ça, quoi, arrêter ça et chercher un travail, travailler, et essayer de sortir de la merde. Si quelqu'un galère, c'est-à-dire... je ne dis pas c'est lui qui a choisi ou quelque chose comme ça, mais j'ai dit, ben, c'est mentalement, quoi, ta vie, c'est mentalement. Je ne crois pas qu'il y a de misère ici en France. Il n'y a pas de misère. La misère, c'est qui? La misère, c'est dans la tête, quoi, ta vie. La France, c'est un pays riche. Dès qu'on travaille, on a tout le moyen. Ils disent qu'il y a de chômage. Il n'y a pas de chômage, mais il y a des gens qui ne veulent pas accepter n'importe quel boulot pour gagner leur vie. C'est ça que tu as dit. Ça existe toujours le boulot. Même s'il y a une crise, il y a du boulot. S'il veut travailler, regarde, il y a une plateforme ici. Il suffit de se lever vers 6 h du matin et le patron passe en voiture et t'amène pour travailler. Voilà, c'est-à-dire si on cherche, on trouve. Hein. Ils prennent des gens qui même, ils n'ont pas de papier? Non, ils prennent tout le monde. Ils préfèrent les gens qui n'ont pas de papier. Ouais. Ah oui. Ils préfèrent ça, quoi. Imagine les gens qui ont de papier, est-ce qu'il va passer ici, attendre un patron qui passe pour travailler? Non. C'est-à-dire là, en France, la chance, il y a la chance pour tout le monde. Il suffit de travailler, ou bien de bouger, ou bien d'avancer, quoi. D'avancer dans la vie.